Il est 20h. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver au large des côtes du Finistère. Un incendie en salle des machines et à 180 km des côtes bretonnes, une belle frayeur. 20 membres d'équipage d'un cargo secourus en pleine mer la nuit dernière au large de Pimard dans le Finistère, Bretagne, où des fortes rafales de vent étaient enregistrées ces dernières heures. Diane Schlager. Hors piste. Comme chaque 1er janvier, plusieurs changements interviendront lundi prochain. Notamment ceci, regardez, le SMIC, ça devrait s'afficher. Voilà, augmentera d'environ 15 euros net et passera à 1398 euros mensuels. Pour les nouveaux souscripteurs, le taux du plan épargne logement également revalorisé. 2,25% contre 2% actuellement. Quant au timbre vert, eh bien, il sera bientôt plus cher. 1,29€ contre 1,16 aujourd'hui. Par ailleurs, ce coup de pouce pour les retraités. Plus 5,3% sur les pensions. La mesure avait été annoncée par Bruno Le Maire au mois de septembre. Gaspard de Florival avec Anaël Forveil. Regardez un peu cela. 4 477 146 euros, prix de vente d'une carte Pokémon l'an dernier, un Pikachu Illustrator de 1998. Alors peut-être que les Pikachu à la mèche et autres reptincelles ne vous parlent pas vraiment, mais vos enfants et petits-enfants en sont absolument fans et à vrai dire, plusieurs générations ont été bercées par ces cartes Pokémon. Malheureusement, qui dit succès dit souvent arnaque, contrefaçon et beaucoup de collectionneurs se sont fait avoir... C'est le plus du 20h ce soir avec Eléana Bonas, Lara Péquez et Valéria Guéry. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci beaucoup d'avoir aidé avec nous. Dans un instant, le journal Météo-Climat d'Anaïs Baydemir, 21h10, prodige. France Info, Canal 27, le 23h Info, c'est avec Jeanne Baron. Demain 13h, Nathanaël de Raxin. 20h, Thomas Soto. Lundi, le retour d'Anne-Sophie Lapix. Je vous souhaite une excellente fin d'année sur France 2. A bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info.